homestaging d'entrée, avant, après et explication pas à pas. Alors, faire le homestaging de votre entrée, du hall d'entrée est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose que l'on voit quand on rentre. Et la première impression, elle est fondamentale. Avant d'aller dans le détail, pensez à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être informé des nouveautés. Regardons ensemble un hall d'entrée que j'ai homestagé pour une de mes clientes. Alors, le hall d'entrée était un peu chargé, une accumulation d'objets hétéroclites, pour ne pas dire patchwork. Alors là, à mon sens, ce qu'il fallait valoriser, et c'est ce que nous avons fait, c'est le carrelage noir et blanc de couleur neutre. Car en homestaging, l'objectif est de faire un minimum d'investissement pour un maximum de rendement et surtout d'accentuer les points positifs. C'est un peu comme une personnalité. Quand vous relookez quelqu'un, on va mettre en valeur les points positifs et les défauts, c'est pas qu'on les cache, mais on ne va pas les accentuer. En l'occurrence, ce qui me dérangeait dans ce hall d'entrée en tant qu'agent immobilier, c'était le patchwork de couleurs. Le fait que vous avez un sac bleu, des fleurs oranges, une caisse bleue, une couette de lit, des objets qui n'ont rien à voir avec la fonction de la pièce. Un miroir, une tablette, un tapis à l'arrière qui est complètement daté, des couleurs murales qui sont dépassées, non harmonieuses, bien qu'on revienne aujourd'hui au floral, mais à l'époque ça ne l'était pas. La couleur murale est foncée, ça écrase la pièce alors que le plafond est déjà bas, donc on avait un sentiment d'écrasement d'emblée. Et voilà comment on a transformé cette pièce en lui redonnant sa fonction propre, celle de hall d'entrée, et la plus lumineuse, la plus spacieuse possible. Alors, les solutions qui ont été choisies sont les suivantes. Une couleur blanche sur les murs, blanche et en accord avec le carrelage noir et blanc qui est sur le sol. Le blanc parce que c'est éclaircissant, or la pièce était sombre, petite et écrasante, le plafond était trop bas. C'est également une couleur neutre, assez jeune, or la maison, et je vous rappelle qu'il faut partir du profil d'acheteur présumé, était vraisemblablement pour un jeune couple avec enfant. C'est d'ailleurs un jeune couple avec enfant qui l'a acheté. Donc, on a peint, enfin moi j'ai peint sur le papier peint, alors c'est pas très coûteux. Ça va assez vite. Alors, mettez pas non plus des litres d'eau sur un papier peint, mais ce genre de choses est fait en une journée. En tout cas, en un week-end, vous avez relooké votre entrée. Et puis, alors, quelques objets verticaux pour accentualiser, pour essayer d'élever le plafond, avec un vase en avant-plan qui est vertical et des tiges en bois à l'arrière qui sont également verticales. Donc, quand vous avez un plafond bas, ce qu'il faut faire, c'est mettre des objets verticaux ou de placer même des cadres de manière verticale afin de élever le plafond. J'espère que ce petit cours de homestaging d'entrée vous a été utile ou qu'il le sera à certains de vos amis. Je vous dis à bientôt pour d'autres avant-après.